souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux adhérents, bien sûr. Et je remercie tous les membres présents. Nous allons voir Monsieur le maire un petit peu plus tard. En tout cas, je remercie Madame Amar, élue. Je remercie Monsieur Picot, élu. Et je remercie Suzanne Chasfer qui s'occupe de la Chambre des associations. Voilà, je l'attendais. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Daniel Bouvier, la présidente des Restos du Cœur. Donc c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce midi pour célébrer les 25 ans le quart de siècle du Forum. C'est toujours un grand moment de joie de fêter la santé d'une association. Cela montre la bonne santé, sa capacité à surmonter les épreuves. Quand je dis épreuves, je pense au Covid, où là on a eu quand même quelques petits problèmes. On a toujours été présents, mais on ne faisait pas comme on voulait. Cette capacité à durer est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que 25 ans après, les porteurs du projet de l'époque ne s'y sont pas trompés. Et là, je voudrais très rapidement parler d'Arlène, parler de Juliette, parler de Suzanne, hein, qui ont géré le forum avant, avec Monsieur Jacob, qui ont géré le forum avec Eliane, et qui, j'ai travaillé un peu, mais moins longtemps. Que maintenant j'ai beaucoup de monde qui travaille avec moi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Arlette, Juliette, Suzanne, et puis d'autres personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Je pense notamment à Janine Coignard, qui a eu tous les postes au forum, qui a fait trésorière, qui a fait secrétaire, et qui a beaucoup aidé Eliane à une certaine époque. Je pense aussi à Roger qui est parti, et Yvette, un professeur d'anglais qui a fait des années des cours d'anglais. Et je n'oublierai pas, bien sûr, Eliane Coutable, la présidente que j'ai remplacée. Le forum a trouvé sa place à Champigny dans les domaines loisirs, culture, sport et temps libre. L'association, c'est un tandem. Nous travaillons avec des bénévoles et des auto-entrepreneurs et la municipalité. Il me faut remercier Monsieur le maire, qui sera présent tout à l'heure, et les élus qui sont présents à midi. Partenaire incontournable. Votre présence, messieurs, dames, donc je prends mon micro, votre présence, messieurs, dames, montre l'intérêt que vous portez au travail fait par le forum. Et on vous remercie vraiment. Grand merci aussi à nos animateurs, grand merci à tous nos bénévoles qui donnent du temps pour que le forum fonctionne toujours favorablement, répondre aux sollicitations. Je vais bientôt finir. C'est une équipe d'animateurs investis et dynamiques. Nous souhaitons avec le CA, le conseil d'administration ici présent, tout le monde est là du conseil, que le forum continue de progresser, que cette association reste dynamique et qu'elle garde sa bonne humeur et son esprit de convivialité. Merci à vous et bon anniversaire. Voilà, donc maintenant, place au repas et on va trinquer aux 25 ans, un quart de siècle du forum. Quand on dit 25 ans, ça paraît comme ça peu de choses, mais 25 ans, c'est important. Je vais passer la parole à Monsieur Picot. Aujourd'hui, il faut reconnaître les bénévoles, la présidente, le bureau, tous les gens qui ont organisé ce repas aujourd'hui, parce que pour y avoir participé de loin, de très loin, c'est un énorme travail. Voilà. Moi, je voulais vraiment vous féliciter. J'espère que la salle, quand même, on peut applaudir Madame Alix et tout le CA, tout le staff, parce que c'est vraiment
une organisation très importante pour nous. Voilà. Et en tout cas, on est ravis avec ma collègue Sophie Amard de participer au 25e anniversaire. C'est un honneur pour nous de participer et d'être ici. Donc, mais voilà, tous les honneurs vous vont. C'est un plaisir de travailler avec vous tout au long de l'année. Je tiens à vous dire, et parce qu'aujourd'hui le Forum du Temps Libre, en termes d'association non sportive, est l'association qui a le plus d'adhérents à Champigny. Donc il faut le savoir, aujourd'hui il faut des bénévoles pour faire tourner l'association, et il faut les remercier tout au long de l'année, parce que souvent on a tendance à oublier de les remercier, et une organisation comme aujourd'hui, tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Donc je tenais à vous remercier et vous féliciter. Mais M. Duvaudier n'est pas là. Monsieur Duvaudier, je le remercie au nom du forum. Ce monsieur nous a vraiment aidé pour arriver à organiser à la guinguette dans de bonnes conditions. Merci Monsieur Duvaudier, mais il n'est pas là. Tu veux dire quelque chose, ma copine? Ma copine, je vous le dirai tout à l'heure, il y a des choses à dire. On a besoin d'avancer aujourd'hui dans la commune. Vous savez que la commune, elle est en perpétuel mouvement. Alors je sais que souvent il y a beaucoup de travaux, mais rassurez-vous, il reste 2 ans de travaux importants. Le Grand Paris Express arrive quand même maintenant dans un petit peu plus de 2 ans. On est au bout de la première partie de la 15 Sud. Et donc la ville avance. J'avais évoqué lors du repas des seniors, pour ceux qui avaient étaient peut-être présents, qu'on aura bientôt la passerelle.
sur sa dernière. Oui, alors je vous remercie beaucoup, je ne m'attendais pas à ce diplôme. Il est vrai que j'ai pris ma retraite au niveau informatique, parce que bientôt, mes ménages ne sont plus, hein. Ils font plus les mises à jour, hein, ça va tellement vite. Mais j'ai formé, j'ai aidé beaucoup de personnes du forum, bien sûr, en commençant par le niveau 1, débutant, jusqu'au niveau 4, expert. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je reste encore au bureau puisque vous avez eu la gentillesse de m'aider encore au bureau pour une durée de 3 ans. Voilà.
Merci.